Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Ryoga et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch. Eh bien voilà, une nouvelle journée commence et on va découvrir ce qu'elle nous réserve de beau. Nous sommes donc le vendredi 20 mars et Tom Nook a quelque chose à nous dire. Test, test, micro. Bonjour à tous, je l'ai déjà dit. Oh désolé, le volume était peut-être un chouïa exagéré. Je disais donc bonjour à toutes et à tous. A partir d'aujourd'hui, je présenterai un bulletin insulaire plein d'infos passionnantes. Je vais aborder un point essentiel de la vie sur l'île, alors prêtez-moi une oreille aussi attentive qu'insulaire. Il me semble qu'il serait juste d'inaugurer ce rituel quotidien avec une annonce à sensation. L'aéroport de Sans Souci a ouvert ses portes. Vous pouvez désormais utiliser la communication sans fil locale ou en ligne pour voyager d'une île à l'autre. Et ce n'est pas tout, non non, le guichet de l'aéroport propose également un service postal. Enfin, tout comme le bureau des résidents, l'aéroport est ouvert 24h sur 24, profitez-en bien. Ce sont donc toutes les communications en ligne qui vont être ouvertes. Aïe aïe aïe, j'ai hâte de retrouver mes chers camarades pour voir leurs îles et partager nos expériences. Alors... Évidemment, j'ai la boîte aux lettres juste derrière l'arbre. Il faudra vraiment que je me débarrasse de cet arbre dès que possible. Alors, j'ai évidemment les objets que j'avais commandés hier. Donc, je les ouvrirai plus tard. J'ai une lettre de maman. Mon cher Ryoga, quand je vois un avion dans le ciel, je fais de grands signes à tous les passagers en pensant à toi. Mon choupiné, il y a de la circulation là-haut, tu peux me croire. Je commence à avoir mal au bras. Profite de ta nouvelle vie, maman. Ok, je prends le cadeau dans la poche. Ok, ok, alors l'aéroport est ouvert, bah on va aller voir ça. Il y a plein de nouvelles branches, donc évidemment je vais ramasser tout ça tranquillement. Est-ce que mon ami l'ours est réveillé? Il est pas là, il doit être dehors. Alors, cet aéroport, ça donne quoi? Hello, hello. Dodo Airlines. Salut, salut, bienvenue dans notre porte d'accès vers les cieux bleus, l'aéroport de Sans Souci. Très heureux de te rencontrer, moi c'est Maurice, personnel au sol de la Dodo Airlines. Et salut Maurice. Chez Dodo Airlines, on reste au sol pour mieux assurer ton vol. Si tu veux visiter une autre île ou inviter des amis sur celle-ci, c'est ici que ça se passe. Oh, et notre aéroport propose aussi un service postal. Parfois, on dit mieux les choses avec une lettre. Oh, on aura pu Ophélie, on aura pu le facteur. Tout ça a changé. Tout ça a changé pour maintenant un service postal par avion. Alors oui, je suis Ryoga, bonjour, c'est une petite île, oui, d'accord. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Non. Je veux voyager, recevoir des visiteurs, je n'ai besoin de rien. Eh bien, je veux voyager. Okidoki, ah, tu vas aller rendre visite à quelqu'un sur une autre île? Ok, alors la première fois que tu te connectes pour recevoir des visiteurs ou rendre une visite, je dois attirer ton attention sur quelques informations importantes. Ne saccage pas tout, ne casse pas tout. Bon. C'est un peu long, mais c'est du sérieux. Ouais. Ben, comme d'habitude, hein, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, tout ça, tout ça, tout ça. C'était long, mais pas si long que ça. Tant qu'on signe pas un contrat à la fin, ça va. Tu veux te rendre sur une île proche en multijoueur local ou en ligne? En ligne. Ça marche. Et désolé si on t'a déjà montré ça, mais c'est la règle quand quelqu'un se prépare à jouer en ligne. Respecte les autres joueurs. Ne triche pas. Et si t'es vilain, tu seras puni. On peut signaler tout comportement inapproprié en appuyant sur moins. Bon. Connecte-moi donc à Internet, s'il te plaît. Il cherche la destination. Évidemment, je veux voyager, mais je n'ai pas dit où je voulais aller. Donc, ça va être une grosse surprise. Comment veux-tu choisir ta destination?
dans ma liste d'amis avec un dodo code, laisse tomber. Donc le dodo code, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être l'équivalent d'un code ami. Mais là, on va aller directement dans notre liste d'amis et j'espère que... J'ai une appli pour toi. Alors, meilleurs amis, oui, je veux. Mon Nookphone, oui, bien sûr. Recherche des îles que tu pourrais aller visiter. Ben, je pense que j'ai une île toute vue, puisque son propriétaire est en train de m'attendre. Sabaody, ça t'intéresse? Alors je vérifie si Sabaody est bien l'île qui je veux visiter. Et il s'agit bien de l'île de notre cher ami Créo qui m'attend chez lui de son côté. Donc on va aller lui rendre une petite visite. Allez, on cherche le décollage. Bon, c'est un peu long, mais pas trop long. Je pense que quand on sera habitué, ça ira plus vite. On se souvient du temps quand même qu'il fallait pour aller visiter les villes de ses amis sur DS voire 3DS. C'est le chauffeur, c'est le pilote. Merci pilote. Merci de m'emmener chez mon ami Créo. Et pendant ce temps, sur mon smartphone, le vrai, j'ai un chat vocal disponible pour Animal Crossing New Horizon, que je ne veux pas faire, mais c'est possible. Vous pouvez parler avec les gens, évidemment, si vous les connaissez, soit directement par téléphone, soit, si vous ne les connaissez pas, par vocal, mais via l'application Nintendo Switch Online, comme c'était le cas plus ou moins pour Splatoon. Ici, votre commandant de bord, nous arrivons à Sabaody. Remettez vos sièges en position la verticale et assurez-vous que vos ceintures sont bouclées. Il est 14h22, heure locale, le ciel est clair et la température extérieure est plutôt agréable. Nous allons amerrir, ne vous inquiétez pas, cet hydravion a été conçu pour ça. Chat avec les autres joueurs, oui bien sûr. Appuie sur R pour envoyer un message à tous les joueurs présents. Tu peux revoir les messages échangés dans l'application historique de chat de ton Nookphone. D'accord. Donc ça, c'est les meilleurs amis. Tu peux utiliser cette appli pour voir les amis et meilleurs amis avec lesquels tu as joué. Ok, et Créo est là. Etc, etc. Créo, proposer d'être meilleurs amis. Il regarde son téléphone lui aussi. J'ai envoyé une demande de meilleurs amis à Créo, mais il est juste là. Bon, allez. Et les Maïsnook, on verra ça plus tard. Yes, salut. Salut, pousse-toi, laisse-moi passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette île? Je pense qu'on peut pas faire grand-chose. Alors évidemment, on n'entendra pas parler Créo, c'est dommage. Est-ce que je peux lui piquer ses oranges? Je lui pique ses oranges. Ok, alors Créo. Ah, tu me donnes des fruits spéciaux. Très bien. Ah non, tu me les donnes pas, d'accord. Ah, tu voulais pas me donner les trois, tu veux m'en donner qu'une. Ok, une. Bah voilà, bah bienvenue dans Animal Crossing. Hein. Ah, ça doit être sa maison, ça. Ah non, c'est Antonio. Bon. J'ai donc plusieurs choses. Il va me parler, il va sûrement écrire un message. Donc ils avaient dit quoi avec Z... Je sais plus quelle touche. Ça c'est les meilleurs amis. Ah là, sans doute là. Historique de chat. Coucou. Ah bah c'est parti, comment on écrit? On peut pas écrire ici. Bon, je sais pas comment on écrit. Appuie sur R pour envoyer un message à tous les joueurs présents. Bah oui, non mais c'est ça, Animal Crossing, c'est charmant. Oh, une bouteille, qu'est-ce que c'est?
Hop là. Bah voilà, enfin, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le bonheur à l'état pur. C'est se balader dans ce petit monde sympathique. Profiter des moments ensemble. Voilà, je pense que finalement ce sont des petites valeurs sympathiques et importantes. Alors, je peux sans doute écrire un mot sur son panneau. Salut les sabaudiens, lol. Et je peux écrire un message. On va faire ça. Un navet, tout simplement. Voilà. Je t'ai écrit un message. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le feu? Rien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il va sûrement me montrer chez lui. Il y a une boîte aux lettres. Mais il n'y a rien dedans. Ah, il a déjà mis un bras zéro dehors, à droite, et un petit nid à oiseau, à gauche. Et voilà, il est bien. Il a sa Switch. Il a son truc de paille. Et on va faire une sieste. Ah non, je peux pas. On entend la musique qui est blues. Mais je peux pas dormir. Bon. Hop là. Eh oui, on peut pas dormir sur ton transat là. Bah c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors. On peut pêcher. On peut pêcher tranquillement. Oui, alors c'est le. Créo est en train de me dire par message. Effectivement, comme c'est le tout début du jeu, bah il n'y a pas grand chose à faire. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça viendra tranquillement. Olé! Alors pareil, il y avait des petites animations dans la version 3DS qu'on pouvait récupérer au fur et à mesure de nos exploits dans le jeu. Genre bah, applaudir, être content, pas content. Bon ça j'imagine que ça reviendra dans ce jeu, il n'y a pas de raison. Bonjour Mininook de chez Creo. Oui, oui, je profite tranquillement de tout ce qu'il y a à faire. Ah, et on n'a pas la petite musique. Quand c'est l'autre qui attrape un truc. Voilà, voilà. Et bah, c'est vrai que c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut aller parler aux habitants chez eux? Antonio, bienvenue. Hey, je t'ai fait peur. Désolé, parfois je dois libérer un trop plein d'énergie et je crie trop fort. T'es de passage ici, hein? Ça, c'est chouette alors. Moi, je m'appelle Antonio. Je suis encore un peu nouveau sur l'île, mais ça me ferait trop plaisir d'avoir un pote venu d'ailleurs. Bah ouais, mais est-ce que ça veut dire que tu vas... je vais piquer cet animal à Creo et l'inviter chez moi sur mon île prochainement? Bah on verra ça. On verra s'il arrivera, si Antonio arrivera sur mon île, un de ces quatre. Il réfléchit, Creo. Il se change. Bah ouais, mais moi j'ai pas grand chose. Je peux te montrer un crapé. Voilà, c'est tout ce que je peux faire à peu près pour l'instant. J'ai un cadeau. Qu'est-ce qu'il y avait dans mon cadeau? Des poires. Oh, génial. Des poires. Lâchez. Comment ça, il n'y a pas assez de place ici? Attends, il y a de la place. Il y a grave de la place. Regarde, j'ai une poire, vas-y, prends la poire. Alors, bah, je te dirais que c'était dans un cadeau hein, que je viens d'ouvrir. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Bah, c'est tout, hein. C'est tout pour l'instant. On aura évidemment plus de choses les jours prochains. Mais bon. Voilà, c'est ça Animal Crossing, c'est ramasser des fruits, ramasser des papillons, des poissons,
dans le but de les vendre pour petit à petit débloquer. Alors on l'a vu, des succès dans cet épisode. L'équivalent des... Ah, il me met un chat. Il veut me dire, tu as un autre fruit? Non, j'ai pas. Pourquoi je peux pas te parler, moi? Appuie sur R pour envoyer un message à tous les joueurs présents. Donc les Knights, les Miles Nook, qui sont des petits objectifs à accomplir. Voilà. D'ailleurs, j'ai toujours 5000 Miles à récupérer pour rembourser mon tout premier emprunt, celui de la tente. Bon, bah, je pense qu'on va y arriver assez vite. Accro à l'écran. Allez, plus que 1000. Bon, je vais regarder tranquillement quels sont les objectifs à faire. Et on y arrive. Hein. Voilà, les créations, la photo. Bah, on peut peut-être prendre une photo avec... avec l'ami Crayo, s'il comprend ce que je veux faire. Je sais pas s'il voit qu'on prend une photo. Non, il voit pas du tout. Photographier. Hop là! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est parce que j'ai encore... On gagne des objectifs tout le temps. Meilleurs amis. Demande en cours. Annuler la demande. Ok. Bon, bah voilà, en tout cas, voilà pour cette première petite vidéo de multi en ligne. Ça marche bien, c'est sympa et c'est évidemment très prometteur. Et un jour, on pourra aller de l'autre côté, mais pour l'instant, on peut pas. C'était bien sympathique cette petite visite de Sabaody, de l'île de chez Crayo. On va maintenant, je vais rentrer chez moi et peut-être que Crayo va me suivre. Et me revoilà chez moi. Et j'ai eu 5000 miles. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Crayo? Oui, je suis chez moi. Tu peux venir. Alors après, est-ce qu'il faut que j'active la fonctionnalité depuis le bureau de l'agence de voyage? Ou est-ce que ça se fait tout seul? Je pense qu'il faut que j'ouvre l'accès à mon île. Sinon, ça n'ira pas. Recevoir des visiteurs. Toujours en jeu en ligne. Voilà, les portes sont vertes. Alors, je me suis lancé tout de suite dans cette aventure du multijoueur et j'ai pas forcément profité de mon île en ce jour 1. Je crois que Crayo il a bien ramassé toutes les herbes. Donc moi il serait temps que je nettoie un petit peu. Surtout pour son arrivée. Il y a un truc qui scintille là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Je sais pas et je peux pas le ramasser. Ah, peut-être avec la... Non, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Ah si, avec la pelle. Ça doit être un truc dans le sol, mais j'ai pas la pelle. Donc il faut que j'aille confectionner la pelle. Et je crois qu'on... Je sais pas si on pourra... Si, quand il y a des invités qui arrivent, je sais pas si on pourra interagir avec certains trucs. Donc j'ai peut-être intérêt à faire ma pelle tout de suite si je peux. Au travail. La pelle, bah, je peux toujours pas. Et ça, c'est quoi l'établi de... Et puis j'ai pas tous les matériaux. Donc je ferme la fenêtre. Je termine la conversation. Et voilà Crayo. Qu'est-ce que c'est? Ah, marrant. Papa de poche. Il s'est appelé Papa de poche, Crayo.
descente amorcée. Ouais, si, si, on le voit, d'accord. On voit des petits signaux lumineux pour nous indiquer qu'il arrive. C'est très drôle. C'est un peu long, mais c'est très drôle. Si c'est à chaque fois, c'est sûr que c'est un peu long. Là, il est en train de défaire sa ceinture. Et puis, c'est, voilà, il est en train de descendre, de fouler le sol de l'île. Bah, c'est sûr que c'est une sorte de cérémonial. C'est, si les gens entraient et sortaient à chaque fois comme ça sans qu'on s'en rende compte, ce serait sans doute un peu folklorique, mais ça force à créer un petit protocole. Alors, de toute façon, moi, il me faut, je pense, des éléments, donc je vais ramasser un maximum de choses sur mon île. Et il n'y a plus le petit truc qu'il y avait tout à l'heure. Sans doute parce qu'il me le réserve pour moi en tant que propriétaire de l'île, mais que les visiteurs ne peuvent pas y avoir accès. Donc il sera temps que je construise cette pelle tout à l'heure. Bah ouais, moi c'est le bordel chez moi, j'ai pas nettoyé encore. Et voilà, Créo, il s'est mis dans le transat direct. Ah, j'ai une lettre, visiblement. Bah oui, c'est mes lettres de tout à l'heure. Donc, t-shirt housse dans la poche, la poubelle dans la poche et la brouette dans la poche. Voilà. On va mettre tout ça dehors. Et on va le placer. Ah, on peut pas placer des éléments quand on a de la compagnie. Bah, c'est bien dommage. Je vais mettre mon t-shirt. Non, après, c'est vrai que c'est très joli. C'est vraiment mignon. Voilà, je pourrais utiliser mon filet pour le gêner dans sa pêche. Mais on va pas faire ça. Alors visiblement les branches, donc ça revient tous les jours. Donc je ramasse, je m'occupe pas de mon invité. Et est-ce qu'on le voit sur la carte se déplacer? On le voit pas sur la carte se déplacer. Ça c'est dommage. Alors il est en train de m'écrire un petit truc. Il est en train de m'écrire un roman. Ah, il veut y rajouter une petite ligne. L'homme qui n'a plus peur d'aucun jeu vidéo. Bah bravo. Donc pour l'instant on fait des ronds. On fait des ronds pour montrer qu'on est content en attendant de pouvoir faire autre chose. Bon, eh ben moi je suis plein, donc je sais pas si je peux vendre mes affaires. Alors je veux vendre le poisson. Enfin pardon, le papillon. Pomme, je garde. Je garde pomme. Et il faut que je confectionne une pelle. Dis donc, ça fait toujours aussi peur qu'on vende les objets importants. Et voilà, c'est ça la vie dans Animal Crossing. Une vie tranquille où on ramasse des herbes et on capture des papillons. Ah oui, le fameux promontoire emblématique. On est bien là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour d'autres petites aventures d'Animal Crossing New Horizons sur Switch.